Bonjour, bonjour tout le monde. Peppa et Suzy ont envie de jouer toutes seules. Bonjour. Nous allons attendre qu'il y ait du monde, qu'on commence le débat. Bonjour pour ceux qui sont là, partagez le live bien sûr, partagez le direct. Partagez dans les groupes ou comment ça s'appelle? Partagez dans les groupes ou dans les pages que vous suivez, comme ça on sera plus nombreux, bien sûr. Désolée. Je vais vous prévenir, il y aura un peu de bruit. Parce que vu le confinement, forcément, je ne suis pas seule chez moi. J'ai mes enfants. Donc, il va y avoir des moments où, voilà, il va y avoir le bruit des enfants. Enfin, le bruit de la petite. Parce que le grand, bien sûr, aussi, vous allez l'entendre. Donc, c'est pour vous avertir du bruit, bien sûr. Bonjour, Ivan. J'espère que vous allez bien chez vous, bien sûr, hein. Et j'espère que vous respectez bien les règles de sécurité qui ont été mises en place pour pouvoir nous aider à supporter cette crise actuelle, cette épidémie, bien sûr. Voilà, c'est bien ce que je disais. Désolée. Non. C'est compliqué. Donc n'oubliez pas, hein, bien sûr, partagez le direct, partagez. Vous êtes 16, donc on devrait avoir plus de partages. On devrait avoir des partages, bien sûr. Donc comme c'est marqué, nous allons parler, je me présente, nous allons parler des abus sexuels, hein, sur les enfants. Bien sûr, je parle du Gabon parce que, voilà, je suis avant tout gabonaise. J'espère que vous m'entendez. C'est super, Ivan, tu te portes très bien, c'est super. Je vais peut-être diminuer un peu, donc j'arrive. Voilà. Donc, je disais, je me présente. Je m'appelle Maïkou, Véry, Aurore, Ségui, Pépina, bien sûr. Et j'ai ouvert une page qui s'appelle Fondou sur Facebook. Sur Facebook, la page Fondou, ça s'écrit bien sûr. Normalement, je vous ai mis ça dans la petite intro du direct. Donc, la page Facebook, c'est bien Fondou, F-O-U-N-D-O-U. Et j'ai aussi créé un compte Instagram qui s'appelle aussi Fondou. Mais là, par contre, on m'avait donné comment ça s'appelle on m'avait donné la bonne, le bon orthographe, donc F-U-N-D-U,
qui veut dire, bien sûr, je pense que vous devez comprendre, vous devez savoir la définition. Fundu, ça veut dire le secret. Et le secret, bah, on sait tous que beaucoup d'enfants ont des secrets. Quand nous sommes enfants, beaucoup d'enfants passent par là, subissent le secret. Salut Amy. Et donc du coup, j'ai créé cette page parce que... Pourquoi j'ai créé cette page? J'ai créé cette page parce que tout le temps sur les réseaux sociaux, j'entendais, oui, tel enfant a subi ci, tel enfant a été violé, tel enfant a été abusé sexuellement. Et aussi par rapport à mon propre vécu, bien sûr. Donc du coup... ça m'a agacé tout ça de me dire que c'était pas abordé, que on n'en parlait pas beaucoup, alors que ça se faisait énormément chez nous au Gabon, parce que effectivement, je parle du Gabon bien sûr, hein, j'ai décidé de parler des abus sexuels sur les enfants au Gabon, parce que j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas beaucoup, parce que j'ai trouvé que le débat n'était pas trop à aborder bien sûr. Et on sait tous comment ça se passe chez nous. Selon qui fait quoi à l'enfant, on va se taire. On va garder le silence. Parce que c'est plus simple de garder le silence que de dénoncer. Parce que la personne qui le fait, bah, c'est toujours quelqu'un de bien placé. C'est toujours quelqu'un qui a un grade dans la famille. Ou quelqu'un qui a un grade niveau professionnel. Donc du coup on se tait parce que cette personne aussi a tendance à emmener des cadeaux, à emmener des présents quand elle vient chez nous, donc on se tait. Et quelquefois aussi tout simplement les enfants n'en parlent pas parce que le silence, mais parce que tout simplement l'enfant a peur et ne parle pas parce qu'il a été menacé tout simplement par la personne qui lui fait subir ce genre de choses. La plupart du temps, la personne menace l'enfant. Et la plupart du temps, c'est aussi des enfants qui sont déjà maltraités physiquement. Donc du coup, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur des sévices, des maltraitances physiques qu'ils subissent. Donc du coup, ils vont se taire, ils ne vont pas en parler. C'est souvent la cause aussi. Et des fois, nous avons des familles qui sont très bien au courant de ce que les enfants subissent. Ils savent qui le fait, mais ne disent rien. Et ils laissent faire. Et ils demandent même à l'enfant de se taire. Ils demandent à l'enfant de supporter, de ne pas parler, de se taire. Parce que tu comprends, c'est tonton tel. Tu te rends compte, c'est tonton tel, tu peux pas parler parce que tonton tel, quand il vient ici, il nous emmène ci, il nous emmène ça. Ça, c'est triste, hein. C'est triste de se dire qu'on vit encore dans le siècle actuel, on vit encore avec ce genre de mentalité. Cette mentalité où on... Voilà, Alex. Où on décide qu'on doit continuer à vivre dans cette époque d'avant où... On parlait pas parce que on avait peur. On parlait pas parce que on était inquiet pour nous, on était inquiet du besoin que ces personnes créent chez nous, parce que il faut pas se mentir. Qu'est-ce qu'ils font aussi ces personnes? C'est qu'ils créent ils créent une comment on appelle ça? Ils créent des habitudes que les personnes auront et donc du coup pour ne plus se priver de cette habitude, les gens se taisent. Donc, n'oubliez pas ceux qui sont là, partagez le live. Je suis un peu nerveuse, hein, les amis, donc ne me jugez pas trop sévèrement. Mais oui, je suis nerveuse. Je suis un peu nerveuse parce que d'habitude je parle sur ma propre page et ça ne me fait pas cet effet. Donc du coup là je suis un peu impressionnée, hein, on va dire. Donc du coup un peu perdue, mais ça va aller au fur et à mesure. Donc voilà.
Donc moi, j'ai décidé de me lancer dans cette histoire, dans cette aventure qui est Fundu. Et donc, du coup, j'ai choisi ce nom parce que je trouvais que ça définissait bien la chose. Et j'ai créé la page en septembre. Je me suis lancée comme ça, d'un coup, en fait. D'un coup, j'ai décidé que voilà, je voulais parler de ça parce que j'en avais marre d'entendre parler de ces choses-là sur les réseaux sociaux. J'en avais marre de voir que nos médias n'en parlent pas en tant que tels. J'en avais marre de voir que même sur les réseaux sociaux, on n'aborde pas trop le sujet. On sait juste partager quand il y a quelque chose qui a été fait. Mais voilà, on n'en parle pas en tant que tel, en fait. On n'aborde pas le sujet en tant que tel. Donc du coup, effectivement, je me suis lancée dans cette aventure depuis septembre. Maintenant, vous allez sûrement me poser des questions en me demandant pourquoi il n'y a pas de publication en tant que telle, pourquoi j'ai pas de témoignage, pourquoi ci, pourquoi ça. Bah, pour avoir des témoignages, moi j'ai témoigné. Moi j'ai déjà témoigné plusieurs fois sur ma page. Mais pour avoir des témoignages, il faut bien que les gens s'y mettent. Il faut bien que les gens viennent m'écrire. Il faut bien que les gens viennent me raconter leur histoire. Que je puisse raconter en anonyme comme ils le voudront. Et ça, ben, c'est vous en fait. C'est vous qui devez venir aussi m'aider dans le sens où vous venez me raconter vos histoires, votre vécu. Parce que n'oublions pas que dans cette histoire d'abus sexuels, de viol, d'intimidation sur les mineurs, il y a des enfants qui ont grandi, comme moi par exemple. Moi, je vais avoir 36 ans. Il y a des femmes de mon âge qui ont subi ça enfant. Et elles n'ont pas parlé. Elles se sont tues. Toutes ces années, elles n'ont jamais rien dit. Parce que la honte de ça, comme on dit, cette honte et cette impression d'avoir la crasse sur nous, parce qu'il ne faut pas se mentir, quand un enfant a subi ce genre de sévices, quand un enfant a subi des abus sexuels, quand un enfant a été violé, cet enfant se sent sale. L'enfant se sent sale. L'enfant a l'impression que tout le monde voit cette crasse sur lui. Tout le monde ne le sait pas puisque l'enfant n'a pas parlé. Mais l'enfant a l'impression que tout le monde voit cette crasse sur lui. Que tout le monde voit qu'il est sale. Qu'elle est sale. Que c'est écrit sur son front que tu subis ces choses-là. Et donc du coup, ça pousse l'enfant à se taire encore plus. Pour ne pas avoir les moqueries. Parce que vous savez, les enfants, même quand c'est sérieux, ils ont la moquerie. Ils ne voient pas le sérieux sur le coup. Ils vont prendre ça, se moquer, utiliser ça pour se moquer. Et ça fait des enfants qui peuvent le vivre mal aussi parce que faut pas se mentir, c'est pas tous les enfants qui ont un mental solide pour pouvoir supporter les moqueries. Et donc du coup, les enfants, on préfère se taire. On préfère se taire parce que c'est plus simple. C'est plus simple. Maintenant, certains vont me poser la question, mais toi, tu parles, qu'est-ce que tu connais au sujet? Il faudra venir sur ma page et il faudra chercher la vidéo où j'ai parlé de mon histoire. Où j'ai parlé de mon histoire sans gêne d'ailleurs, parce que ça ne me dérange pas du tout ce que moi j'ai vécu. Et c'est pourquoi je me suis lancée dans cette aventure. Non pas parce que je souffre encore de mon vécu, pas du tout, loin de là. J'ai donné ce qu'il y avait à donner par rapport à mon histoire. Et donc du coup, je ne suis pas malade hein, par rapport à tout ça. Je vis très bien avec mon histoire. Et moi, ben, moi, on n'a pas pu me défendre parce que je n'ai pas pu parler. J'avais trop peur pour parler. J'ai préféré me taire et j'ai subi pendant longtemps. J'ai subi ce qu'il y avait à subir et je n'ai jamais rien dit et ma mère ne savait pas. Donc du coup, ma mère l'a su quand j'avais, je crois, 25 ans. 25 ans. Et je lui ai balancé ça comme ça, là, dans la rue. On discutait d'un truc et puis je lui ai dit ça comme ça. Donc vous voyez que je me suis pas très bien prise, mais voilà. Donc Fondue, ça parle des enfants qui subissent, mais c'est aussi pour ces femmes qui ont subi. Et qui ont grandi et qui n'ont jamais parlé et qui vivent avec ce lourd secret. Mbolo héritier. Qui vivent avec ce lourd secret en elles. Il y a des femmes qui sont mariées, qui ont des enfants, qui font leur vie, mais qui ont ce secret en elles parce que jusqu'à présent, elles vivent toujours avec la peur de parler de ça.
elle vit toujours avec cette peur de ne pas être comprise. Cette peur aussi qu'on lui dise, mais si tu n'as pas parlé, c'est que tu aimais ça? Parce qu'il y en a aussi qui vous sortent cette phrase. Hein? Mais si tu ne disais rien, c'est que peut-être tu aimais ça aussi. C'est aussi cette phrase qui fait que certains enfants ne parlent pas. Donc, voilà. C'est ça, Fundu. Fundu parle de ça. Maintenant, vous savez, dans ce qu'il y a, nous, en tant qu'adultes, on a tendance à oublier que les enfants ont des droits. Et nous, les parents, on a des devoirs. On ne fait pas les enfants juste pour les faire. On les fait pour les éduquer, pour les aimer, pour leur donner une vie par rapport à nos moyens, bien sûr, parce qu'il ne faut pas vivre non plus au-dessus de ses moyens. Et donc, et les enfants ont des droits. Il y a des lois qui ont été faites pour les enfants. Et ces lois, ça fait 30 ans que ça existe. Ça fait 30 ans que ça a été signé, ces accords. Et tous les pays qui sont dans l'Union européenne, qui font partie de l'ONU, ont signé cet acte, et même le Gabon. Donc, à partir du moment où vous avez signé cet acte, vous êtes obligé de respecter les droits des enfants. Les enfants, ce ne sont pas des objets. Même si, de plus en plus, nous voyons que dans le siècle où l'on vit, les enfants sont beaucoup utilisés comme des objets. Vous en avez qui font les enfants juste pour les faire. Vous en avez qui font des enfants juste parce que ça veut retenir un homme. Vous en avez qui font des enfants juste parce qu'à travers un enfant, ils peuvent avoir des pensions alimentaires. Ils peuvent utiliser l'enfant pour pouvoir gagner quelque chose. Vous avez des gens qui font les enfants parce qu'il faut montrer aussi qu'on est fécond. Les enfants sont devenus des objets dans notre société. Et ce qui fait que de plus en plus, il y a des enfants qui subissent des abus sexuels. Ce qui fait que de plus en plus, il y a des enfants qui se font agresser. Parce que plein d'enfants sont laissés à l'abandon par leurs propres parents. Parce que leurs parents s'intéressent plus à leur personne qu'aux enfants qu'ils ont mis au monde. En tant que parents, nous avons... Les enfants doivent être protégés, les enfants doivent être nourris, les enfants doivent être éduqués, les enfants doivent s'exprimer, les enfants doivent avoir des loisirs et les enfants doivent être respectés. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Ce sont les mêmes droits que vous en tant qu'adulte. Et ce sont ces droits-là que les enfants ont aussi. Il y a eu un moment où des hommes se sont assis et puis se sont dit, les enfants, il y a les droits de l'homme, oui. Mais il faudrait faire des droits aussi pour les enfants. Et c'est comme ça, ils ont décidé qu'à travers les droits des hommes, on devait établir à travers ces droits-là, des droits spécifiques pour les enfants. Parce que les enfants, ils se sont rendus compte que les enfants étaient sans défense. Et que les enfants ne pouvaient pas subir la même loi que les adultes. Donc, du coup, il y a des lois qui ont été mises en place. Comme ce que je viens de vous citer, les enfants doivent être nourris, les enfants doivent être éduqués. Les enfants, en France ici par exemple, jusqu'à 16 ans, l'école c'est obligatoire. Vous ne mettez pas votre enfant à l'école, vous êtes passible d'être mis en prison. Vous ne mettez pas votre enfant à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Si votre enfant ne part pas à l'école, vous avez des comptes à rendre. Parce que c'est obligatoire l'école pour un enfant. C'est obligatoire, les enfants doivent aller à l'école. Vous ne donnez pas à manger à votre enfant, mais vous pouvez aller en prison. Parce que vous ne donnez pas à manger à votre enfant. Parce que vous ne nourrissez pas votre enfant. Vous pouvez aller en prison. Si quelqu'un veut vous dénoncer, vous pouvez aller en prison. Ce sont les mêmes droits que lorsque vous violez un enfant. Si vous abusez d'un enfant sexuellement, vous partez en prison. Si vous maltraitez un enfant physiquement, moralement, vous pouvez aller en prison aussi. Il n'y a pas de « oh oui, je fais ce que je veux ». Oui, on fait ce qu'on veut avec nos enfants, mais il y a une limite à ce que je veux avec mon enfant. Donc, c'est pourquoi il y a eu des lois qui ont été mises en place.
l'UNICEF fait en sorte que ces lois soient respectées un peu partout dans l'Afrique. Mais bon, on voit bien comment ça se passe. Et moi je suis je on m'a donné la parole sur cette page pour vous parler de Fundu et de pourquoi j'ai décidé de faire cette page. Donc c'était par rapport à ça. Et quand j'ai parlé d'intimidation, quand je parle d'intimidation, je pense que vous l'avez compris, c'est quand je parle des d'un enfant qu'un enfant qu'on va abuser sexuellement tous les jours et qu'on va menacer tout le temps en lui disant si tu dis à tout le monde je te tue, si tu dis à quelqu'un plus personne ne va t'aimer. Vous savez, les enfants quand ils sont petits, hein, le simple fait de leur dire tes parents ne vont plus t'aimer, ils ont peur, la peur de ne plus être aimé. Si tu parles, tes parents vont disparaître. Tu vas vivre avec moi tous les jours. Tu seras avec moi tous les jours. Il y a aussi l'intimidation par la douceur. Hein. Donner à l'enfant ce que ses parents ne veulent pas lui donner. Ce que ses parents ne peuvent pas lui donner. C'est pourquoi vous avez des violeurs qui arrivent à attirer les enfants avec des bonbons. Qui arrivent à attirer les enfants avec les jeux vidéo. Parce qu'ils se mettent aussi à la mode. Hein. Bien sûr, ils suivent ce qui se passe actuellement, ce que les enfants aiment actuellement. Donc forcément, ils se mettent à la mode. Vous avez ce genre de personnes. Ils vont attirer vos enfants à travers les choses que vous ne pouvez pas leur donner. Parce que financièrement, vous ne pouvez pas tout simplement. Exactement, héritier, exactement. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez des familles, justement. Vous avez des familles qui protègent les tontons. Nos tontons, là. Ouais, le genre de tonton que... Il vient toujours avec la grosse bagnole. Quand il vient, il emmène toujours... soit il emmène un peu à bouffer, ou sinon, quand il vient, c'est le tonton qui sort les billets que... Allez-y, achetez à boire, à manger. Le genre de tonton là. Et puis avant de partir, il glisse des petits 500 aux enfants là que... Ah les enfants, tiens pour le pain demain, hein, tiens pour le pain demain. Et dedans là, il a sa préférée. Il a sa petite préférée qu'il aime là dans le groupe là. Et elle, elle a toujours plus. Elle, elle a toujours les vêtements. Elle, à chaque fois qu'il vient, il y a toujours un plus pour elle. Des fois, les parents ne disent rien parce qu'ils ne savent pas forcément. Ils se disent... Oh, mais c'est la fille de tonton. Tu sais que ça, c'est la bouffée de tonton. On ne sait pas forcément. On ne dit pas que tous les tontons sont pervers. Hein. Mais à un moment donné, il faut un peu hein, avoir un peu de jugeote. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Il y a beaucoup de tontons qui sont mauvais. Il y a beaucoup de tontons qui sont mauvais. Chez nous, là, il y a beaucoup de tontons qui sont mauvais. Ils ont toujours des gestes déplacés avec l'enfant. Et tonton, ils te mettent sur leur cuisse. La main glisse tout d'un coup sur ton slip. Tu sens un doigt qui effleure. Il y a des tontons qui font ça. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a... En tout cas, hein? Il y a des tontons qui sont pas bons. Il y a les voisins aussi. Vous savez, on parle des tontons, pas des tontons, mais il y a les voisins. Il y a les voisins. C'est pourquoi le rôle de parent, c'est important. Le rôle de parent, c'est pas juste de faire un enfant. Et puis dire, voilà, j'ai l'enfant. Vous voyez, par exemple, avec le confinement, les parents qui ont démissionné leur rôle de parent, ils sont confrontés là actuellement à ce rôle. Il n'y a pas l'école. Actuellement en France, il n'y a pas d'école. Les enfants sont à la maison depuis une semaine. Chacun joue son rôle qu'il est censé jouer quand il avait décidé que je veux pousser un enfant. Je veux l'enfant. Il y a des parents actuellement qui comprennent qu'ils ont des enfants. Parce que, vous savez, c'est facile hein, de toujours laisser les enfants chez les gens. C'est facile de toujours laisser les enfants à l'école. Et puis, il y a quelqu'un qui récupère l'enfant. Il ramène l'enfant. Vous, quand vous rentrez du boulot, tout a été fait. L'enfant a fait ses devoirs, l'enfant a pris sa douche. Quand vous rentrez,
Voilà, vous discutez même pas avec votre enfant. Vous ne discutez même pas avec l'enfant. Vous ne discutez pas avec votre enfant. Vous, tout ce que vous faites, c'est vous venez, vous vous asseyez, vous prenez l'apéro. Il y a des gens qui sont là. Vous ne cherchez pas à savoir comment votre enfant a passé la journée. Vous ne cherchez pas à savoir si à l'école ça s'est bien passé. Vous ne cherchez pas à savoir s'il y a des devoirs. Si... Non, non, non. Vous estimez que tout a été fait. Voilà. Basta. Et puis votre enfant, il est en train de jouer là-bas. C'est vous... L'enfant, il s'est même habitué au fait qu'il n'y a pas d'échange avec les parents. Les parents, c'est juste tu veux un bonbon. C'est tout. Il n'y a pas d'attention. Vous savez, on n'aime pas l'enfant seulement lui donner des cadeaux. Hein. D'ailleurs, il ne faut pas aimer vos enfants en leur donnant des cadeaux tout le temps pour prouver que vous aimez les enfants. C'est pas ça, prouver l'amour à un enfant. On aime ses enfants quand on passe du temps avec eux. Pas tous les jours, parce qu'il y en a qui ont des emplois du temps chargés. Mais il faut savoir quand même, quand on a un emploi du temps chargé, il faut savoir faire de la place pour ses enfants. Il faut savoir discuter avec ses enfants. Il faut savoir établir un lien avec les enfants dès le début, dès le bas âge. C'est pas quand l'enfant a 15 ans que vous voulez jouer maintenant votre rôle de parent et interdire ci, interdire ça. Non, 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 non. On joue notre rôle de parent quand les enfants sont petits, quand ils sont en âge de comprendre. Et les enfants comprennent très vite, hein. Moi, je n'aime pas les parents qui sont toujours en train de dire « Ah, il ne comprend pas, ah, c'est un enfant. » Non! À 1 an, l'enfant comprend très bien ce que vous lui dites. C'est juste qu'il décide qu'il ne veut pas écouter ce que vous êtes en train de dire. Parce que sur le coup, ils sont petits, donc est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que il comprend ou il comprend pas? Ne vous dites pas, ne vous posez pas la question de savoir si l'enfant comprend ou pas. Mon est ma coloc. Ne cherchez pas à savoir si l'enfant comprend ou pas. Vous devez estimer que il a des oreilles, vous parlez et il doit écouter ce que vous avez à dire. Même si après, même s'il continue, vous devez lui répéter. Parce qu'à 1 an, un enfant comprend. À 1 an, l'enfant comprend très bien ce qu'on lui dit. Donc, les phrases de moi, les gens qui sont toujours en train de dire, oh, c'est de son âge. Faut pas l'engueuler. Non, même si c'est de son âge, il faut l'expliquer que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire. C'est pas à 15 ans qu'on vient dire à un enfant, oh, ça c'est pas bien. Hein? Maintenant, on veut jouer l'autorité des parents. On joue l'autorité des parents dans le bas âge. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas une mère parfaite. Bien sûr. Parce qu'on va dire, oh, elle vient parler quoi. Je ne suis pas une mère parfaite. Mais j'essaye de faire avec ce que moi j'ai vu quand j'étais enfant, c'est ce que ma mère a fait avec moi. C'est ce que j'essaye de faire. Parce que j'estime que ma mère m'a bien éduquée. Malgré la parenthèse qu'il y a eu dans ma vie. Mais ce n'était pas la faute à ma mère, elle ne savait pas. Et quand j'étais enfant, apparemment, je savais très bien jouer. Je savais très bien mentir. La personne m'avait appris à mentir. Donc, voilà. Et puis la personne me menaçait, donc oui, je me taisais parce que je subissais déjà assez comme ça pour pouvoir parler. Non, c'était, j'avais trop peur. Mais ayez la communication avec vos enfants. Ayez beaucoup de communication avec vos enfants. Parce que de nos jours, il se passe encore plus de choses qu'avant. Il se passe encore plus de choses qu'à notre époque. Nous, à notre époque, on ne faisait pas, on ne se suicidait pas parce que... Parce qu'à l'école, quelqu'un nous harcèle. On ne se suicidait pas parce qu'à l'école, quelqu'un nous embête. On ne se suicidait pas parce que quelqu'un nous embête à l'école. Sinon, je serais morte depuis. Le nombre de fois on m'a embêté à l'école. Le nombre de fois on s'est moqué de moi à l'école. Qui s'est même gêné de se moquer de moi? On me traitait de tout. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Je m'en foutais parce que tout ce qu'on disait, tout ce qu'on pouvait dire, c'était vrai. Mais ça ne me faisait pas mal. Je m'en foutais. Ma vie ne s'arrêtait pas là. Ma mère m'aimait tellement pour que je puisse m'intéresser à ce que les gens disaient dehors. C'est ça, votre rôle de parent. Donnez assez d'amour à vos enfants. C'est cet amour-là qui les aide à affronter ce qu'il y a à l'extérieur.
Même si des fois le diable est à l'intérieur, hein, parce qu'il ne faut pas se mentir, le diable aussi à l'intérieur. Il y a les tontons, mais il y a les papas aussi. Il y a les papas pédeurs. Il y a les papas pédeurs. Il y a les papas qui violent leurs propres enfants. Dernièrement, nous sommes. Il y a eu Linda Bongo. Linda Bongo, oui. Elle a raconté une histoire comme quoi elle était à l'embarrainée et qu'elle a dû traiter, je crois, 2 cas de viol. Des papas qui ont volé leurs enfants. Des petites filles. Il y a un qui a volé sa fille qui venait d'avoir le CEP en lui disant que c'était comme ça qu'on remerciait un enfant. Que c'est comme ça qu'on montrait de l'amour à son enfant. Voilà comment vous grandissez dans votre tête. Voilà comment les papas de maintenant abusent des enfants. Tu abuses de ton propre enfant et tu lui dis, c'est comme ça qu'un papa aime son enfant. C'est comme ça qu'un papa récompense son enfant. Parce qu'il a eu le CEP. J'ai lu ça dernièrement et j'ai même partagé sur ma page. Je comprends très bien votre question, monsieur. J'ai du mal à lire votre prénom, donc je vais lire le nom, hein, monsieur Diggy. Effectivement, vous avez raison, hein. La jeunesse que nous avons actuellement, elle est vraiment en perdition. Et c'est réellement dommage. Et pourquoi elle est en perdition, cette jeunesse? Parce que les parents n'ont pas inculqué les valeurs très tôt. Parce que nous ne nous mentons pas. Il y a la télé. On est, en Afrique, on est beaucoup stimulé par ce qui se passe en Europe, par ce qui se passe aux États-Unis. Nous aussi, à notre époque, il y avait la musique américaine. Il y avait la télé. Bon, à notre époque, quand les gens s'embrassaient, on fermait les yeux. Même si tu savais que derrière, il y avait un qui t'appuyait là-bas sans gêne. Mais devant tout le monde, tu regardais la télévision, il y a les gens qui s'embrassent, tu fermes les yeux. Si ça insiste et que ça va au-delà du bisou, tu sors de la pièce, tu reviens plus tard. Ou bien les parents changent de chaîne. Mais effectivement, de nos jours, cette jeunesse est en perdition parce que je pense que il y a eu des parents démissionnaires, il y a eu des parents qui ont laissé faire les enfants, leur comportement, en disant bah c'est l'âge, c'est l'âge. Il y a eu des parents qui ont laissé trop de liberté aux enfants. Faut pas se mentir, les générations 2000, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de gâchis dans les générations 2000. Ils sont arrivés, la génération 2000 est arrivée avec le boom d'Internet et tout ce qui a suivi, quoi. Et les parents n'ont pas géré. Exactement, héritier. Je suis en direct, donc rentrer en contact avec moi, ça va pas être possible. Donc, je suis d'accord, héritier, effectivement, c'est vrai hein, ce que vous dites, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous voulez? Comme je dis, tout se joue dans l'éducation. Tout se joue dans l'éducation. Le comportement des enfants actuellement... La base, ce sont les parents. Même s'il y a l'extérieur, même si, oui, il y a l'influence de la télé, il y a l'influence d'Internet, la vie, c'est compliqué. Il y a les réseaux sociaux. À notre époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Mais en tant que parents, si dès le bas âge, nous donnons une base solide d'éducation, il n'y a pas de raison que tout ce qu'il y a autour là, ça vienne tout changer. Il n'y a pas de raison. Moi, franchement, la vérité, moi-même, je ne suis pas si vieille. Hein, je ne suis pas si vieille. J'ai 35 ans. Mais quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je vous avoue que moi-même, je suis bête. Je suis bête. Parce qu'effectivement, cette jeunesse est déjà en perdition. Elle est en perdition. Et ce n'est pas eux-là qui sont déjà en perdition qui pourront...
donner quelque chose de bon à leurs futurs enfants. Parce qu'ils sont déjà perdus eux-mêmes. Maintenant, est-ce que c'est trop tard? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit trop tard. Je pense qu'il y a encore un espoir. Je pense qu'il y a encore un espoir dans le sens où nous devons sensibiliser. Nos neveux, nos nièces. Nous devons sensibiliser, nous devons continuer à sensibiliser. C'est pourquoi moi j'ai créé Founou pour parler de tout ça en fait. Pour parler des abus sexuels sur les enfants, pour... C'est vrai qu'au départ, oui, c'est pour parler des abus sexuels sur les enfants, mais effectivement, il y a l'éducation aussi. Il y a l'éducation et tout se joue dans l'éducation. Maintenant, mademoiselle ou madame Bouanga, est-ce que le manque de communication parents et enfants ne trouvent pas aussi son origine dans l'éducation africaine? L'éducation africaine, qu'est-ce que je vais dire? Je pense que jusqu'à mon époque, je pense qu'il y avait encore. On nous apprenait des bases. Moi, quand j'étais enfant, on m'a fait peur avec beaucoup de choses. Hein. On m'a fait peur avec Isiki, la voiture noire. À notre époque, on avait peur de beaucoup de choses parce que nos parents utilisaient beaucoup de choses pour nous faire peur, nous impressionner. Mais actuellement, il n'y a plus rien. Et actuellement, il ne faut pas se mentir, on a laissé aussi nos traditions de côté. On a laissé nos traditions de côté. On a trop voulu se... Comment on dit ça? On a trop voulu suivre l'Occident. Je pense qu'en Afrique, on s'est perdu en voulant trop suivre l'Occident. En voulant trop suivre l'exemple de l'Occident. En pensant que eux, ils éduquaient mieux les enfants que nous. En pensant que eux, ils faisaient mieux que nous. Et du coup, on a mis de côté... Du coup, on a mis de côté ce que nos parents nous ont appris. Ce que nos grands-parents nous ont appris. Parce que moi, à mon époque, j'ai été éduquée par ma mère, mais j'ai été éduquée aussi par mon grand-père. J'ai vécu au Moi, je suis née au Gabon, j'ai grandi au Gabon. J'ai fait toute ma vie là-bas, même si je suis maintenant ici, mais voilà. J'ai fait toute mon enfance, toute mon adolescence et tout mon début de jeune femme au Gabon. Et j'ai eu l'éducation de ma mère. J'ai eu l'éducation des voisines, des tantes. Une tante en particulier qui vivait à côté de maman, donc la petite soeur de maman. Et l'éducation, c'est ma mère. L'éducation, c'est ma mère. Ce que j'ai appris avec ma tante, c'était les enfants. Parce que ma mère n'avait plus de... Il n'y avait pas d'autres bébés autour de moi, donc... Mais ma tante faisait des enfants. Et avec elle, j'ai appris autre chose. J'ai appris comment s'occuper d'un enfant. Les gestes à avoir. J'ai appris beaucoup de choses avec ma tante. Mais j'avais mon grand-père aussi depuis toute petite. Mon grand-père m'a appris les bonnes manières. Comment se tenir à table. Comment se présenter quand on parle avec les gens. Comment il faut se tenir. J'ai eu l'éducation de toutes ces personnes-là. Des fois, c'était chiant. Oh, Pépé m'appelle encore à la table, franchement. Et ma mère me disait, vas-y, c'est ton grand-père. Tu as de la chance, ton grand-père t'appelle manger avec lui. Il te montre les bonnes choses. Je partais. C'était chiant, mais je le faisais. C'était drôle aussi, des fois. Oui, héritier, Kambila, je pense qu'en Afrique, on éduque plus par la force que par la parole. Ben, c'est justement à cause de ça qu'on a voulu suivre l'éducation des occidentales. On était où? Oh oui, pardon. Je pense qu'en Afrique, on éduque plus par la force que par la parole. Bah, c'est vrai que oui, en Afrique, on... Voilà, le coup de bâton, on connaît. On connaît. En France, ici, c'est interdit. Mais faut pas se mentir. Hein. Il y a des enfants qui comprennent par la parole. Moi, j'ai mon fils qui a 15 ans. Et en 15 ans,
Je crois que j'ai mis la fessée deux fois, trois fois. Parce qu'il comprenait quand je parlais. Il écoutait quand je parlais. Je l'expliquais, je l'interdisais un truc et je lui disais pourquoi je l'interdisais. Parce qu'il y a un truc qu'il faut aussi comprendre. Hein. C'est que les enfants, il ne suffit pas d'interdire. Il faut aussi expliquer pourquoi vous interdisez. Quelles sont les conséquences? La raison qui fait que vous l'interdisez telle chose, c'est parce qu'il va y avoir ci, il va y avoir ça. C'est parce qu'il va y avoir ci, il va y avoir ça. Il y a des enfants qui comprennent comme ça. Et vous avez une autre catégorie d'enfants qui ne comprennent que par les coups, faut pas se mentir. Il y a des enfants qui comprennent par les punitions et vous avez des enfants qui comprennent par les coups. Maintenant, il y a coups et il y a maltraitance. Parce que chez nous en Afrique, c'est qu'il y a aussi beaucoup de maltraitance physique. On n'interdit pas de taper les enfants. Hein. Moi, ma mère m'a tapé. Des fois, elle me tapait pas si fort. Mais pour faire en sorte qu'elle arrête de me taper, j'ai crié, ça m'a aïe, 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 aïe. Et c'était fini. Elle arrêtait de me taper d'un coup en se disant qu'elle m'avait vraiment fait mal. Alors que non. C'est juste que, voilà, je supportais pas. Mais, ma mère m'a tapé quand il fallait taper. Interdire de taper, c'est pas, je ne pense pas que... Si on interdit de taper, hein, c'est à cause des parents qui abusent. Moi, j'en connais qui tapaient leurs enfants avec le seau. Le seau en fer. Le fer à repasser. Le bâton. Le balai. Tout ce qu'il y a sous la main. Ça, c'est pas taper, ça. Ça, c'est maltraitance. L'éducation, il faut beaucoup parler. Il faut beaucoup expliquer. Mais certains enfants ont besoin de punition. Certains enfants ne comprennent que par les coups. Maintenant, des fois, il faut chercher à comprendre pourquoi l'enfant ne veut pas écouter aussi. C'est pourquoi on dit qu'il faut beaucoup parler. Parce qu'il y a des enfants, vous avez beau interdire quelque chose, vous avez beau les frapper, ils continuent. Quand c'est comme ça, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fait que cet enfant continue. Il y a souvent une raison. Hein. Vous savez, on est toujours en train de dire, ah, il n'y a pas d'excuse. Il fait ça, c'est qu'il veut faire ça. Mais des fois, les enfants ne font rien sans raison. Les enfants font toujours quelque chose parce que derrière, il y a une raison. Parce que derrière, il y a quelque chose. Des fois, la personne fait des mauvais trucs à l'enfant. Des fois, la personne maltraite l'enfant quand vous avez le dos tourné, même si devant vous, la personne fait genre. Mais quand vous avez le dos tourné, cette personne fait des choses bizarres. Cette personne se comporte mal avec votre enfant. Des fois, il faut chercher à savoir d'où vient l'origine, d'où vient la cause. Quand même les coups ne parlent pas. Exactement, Amy. C'était clair. Moi, ma mère n'avait pas besoin de parler. Hein. Elle me fixait du regard. Une fois, je savais que là, si je continue, je me prends une. Si je continue, je me prends une. Et j'obéissais. Hein. J'obéissais. Mais il y avait un qui même quand il me regardait que j'obéissais, c'était pas assez. Il fallait qu'il me frappe. Il fallait qu'il me sente bien là. Il fallait qu'il sente bien ma peau bouillonner de douleur. Et de rougeur aussi. Parce que c'était juste un plaisir. Mais ça, c'est une autre histoire. Et j'ai vu qu'il y a Alexandre qui disait « Mais ne peut-on pas trouver les moyens plus efficaces pour sensibiliser cette jeunesse? Ne pas se limiter qu'ici. En parler dans les établissements par exemple. » Eh bien Alex, franchement, je suis d'accord avec toi. J'aimerais bien faire ça. Mais ma position géographique fait que je suis un peu... Je suis limitée. Je suis limitée sur ce que j'ai à faire. C'est pourquoi, pour l'instant, je suis juste bloquée sur ma page. Mais pour plus tard, j'ai des projets par rapport à Fundo pour plus tard. Et j'espère que la vie m'accordera assez de temps pour les réaliser. J'espère qu'avec le temps, je pourrai mettre ça en place. Je n'ai pas parlé, mais voilà. Pour Fondou, pour l'instant, c'est une page. Je ne fais pas grand-chose. Je n'ai pas de témoignage. Donc, je ne peux pas vous mettre des témoignages sur ma page. Bien sûr, j'ai déjà fait mon propre témoignage, mais voilà, je n'ai pas d'autres témoignages à mettre. Mais je suis d'accord avec toi.
Il faudrait faire des campagnes de sensibilisation, il faudrait prévoir de faire des sensibilisations dans les collèges, dans les lycées pour expliquer l'éducation, pour expliquer. Parce qu'actuellement, il ne faut pas se mentir, les parents attendent tout de l'école. Les parents attendent tout des profs. Les parents attendent tout des maîtres. Les parents n'éduquent pas leurs enfants, mais estiment que c'est à l'école que le maître va tout apprendre. Mais le maître, il est là pour donner une. Chut! Non. Oui. J'ai dit non. J'arrive. Attends. Ça s'est arrêté. Non. Les parents actuellement attendent tout. Les parents actuellement attendent tout de l'école. C'est l'école qui doit sensibiliser, c'est l'école qui doit donner les conseils, c'est l'école qui doit éduquer, c'est l'école qui doit tout faire. Mais le rôle de l'école actuellement, ce n'est pas de faire tout ça. Vous, en tant que parent, vous avez votre rôle à faire et l'école fait la suite qui est censée prévoir l'avenir professionnel de votre enfant, l'avenir intellectuel de vos enfants. Mais l'éducation, c'est vous les parents. Et ça, les parents, pire encore de nos jours, c'est encore pire. Ils estiment que c'est à l'école que les enfants doivent tout apprendre. Non! C'est vous les parents qui devez apprendre à vos enfants. C'est vous qui devez éduquer vos enfants. Même la sexualité. La sexualité, par exemple, c'est un sujet tabou. À notre époque, c'était un sujet tabou. C'est un sujet tabou, mais... Julie, Julie, tu es sérieuse? Julie, tu es sérieuse? Tu es sérieuse? Je ne vais pas citer ton nom de famille, mais Julie, tu es sérieuse? Va régler tes comptes avec toi-même, d'accord? Va régler tes comptes avec toi-même. Parce que tant que tu ne viendras pas me parler en face, ne te permets pas. Mais je ne te permets pas, d'accord? Si tu as des choses à me dire, viens me les dire en face. Parce que je n'ai rien à me reprocher par rapport à toi. Oui. Oui, je vous ai éduqué. Je vous ai éduqué, ma fille. Même si maintenant tu estimes que je ne suis pas ta mère. Je ne suis pas ta mère biologique. Mais venir dire que j'étais maltraitée, ma fille. J'étais connue, tu avais quel âge? 2 ans. Qui t'a gardé tout ce temps? Tu m'amuses même, hein? Tu m'amuses. Commence déjà à éduquer ton enfant. Quand tu auras assez de maturité en toi, reviens me parler. Parce que c'est pas sur mon direct là que tu vas venir raconter les conneries, Julie. D'accord? Aie au moins ce minimum de respect. Et passe ta route. D'accord? Fais déjà la paix avec toi-même. Merci. Et ciao, ciao. D'accord? C'était une parenthèse très chère. Donc, nous en étions à nos parents en Afrique communiquent assez avec les enfants, c'est un véritable problème. Oui, effectivement, tu as Innocentia. Effectivement, nos parents ne discutent, nos parents n'avaient pas de communication avec nous parce que c'était dans. Non, maman n'a pas fini, d'accord? Et je vais pas t'afficher là, d'accord, s'il te plaît? Hein, s'il te plaît, bébé. Effectivement, voilà, il y a pas ça dans avec nos familles. Oui. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de communication avec nos parents parce que je pense que eux-mêmes n'ont pas eu ça avec leurs parents. Donc du coup, ils nous ont appris ce que eux ils ont appris. Maintenant, dans l'époque actuelle, si nous,
nous pensons que avec nos parents, nous n'avons pas eu il y a eu ce manque de communication. Nous ne devons pas répéter ça avec nos enfants à nous. Avec nos enfants à nous, nous devons mettre la communication. Nous devons essayer de changer ce que nous n'avons pas eu avec nos parents. Ce que nous n'avons pas eu avec nos parents, nous devons essayer de faire en sorte que nos enfants ne ressentent pas ce manque. Donc ce manque de communication, c'est comme tout à l'heure je disais, parler de la sexualité. On laisse les enfants apprendre la sexualité à l'école, à l'extérieur, avec les amis, avec internet, avec la télé. Mais en tant que parents, nous devons aborder ce sujet avec les enfants. Avant que ce soit quelqu'un d'autre qui aille raconter. Avant que ce soit les amis, les copains, les copines qui aillent expliquer. C'est nous les parents, nous devons apprendre à nos enfants les précautions sur la sexualité. C'est pas tout de dire à l'enfant, tu ne dois pas aller coucher les hommes. Ou tu ne dois pas aller coucher les filles. Vous allez l'interdire, vous allez forcément lui donner envie d'aller le faire. Vous allez l'interdire, vous allez forcément lui donner envie d'aller découvrir dehors. C'est pas parce que vous interdisez que la personne, l'enfant ne fera pas. Hein. L'enfant fera. Mais il faut faire en sorte que l'enfant, quand il va se lancer là-dedans, il ait des bases que vous lui avez données en dehors de ce que les amis, les copains, les copines iront lui dire dehors. Et c'est en parlant aussi de sexualité avec vos enfants, que peut-être, si quelqu'un s'amuse à leur faire des choses, ils auront l'ouverture d'esprit de venir vous en parler. Parce qu'ils savent qu'avec vous, ils peuvent aborder le sujet. Parce que des fois, il y a des enfants qui subissent des abus sexuels et n'en parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tabou, tout simplement, avec les parents. Ils ne peuvent pas aborder le sujet parce qu'ils vont se dire, on ne va pas les écouter, on va les engueuler. Non. Ils se disent qu'on ne va pas les écouter. Ils vont être grondés, on va les gronder. Non. Deux minutes. S'il te plaît. Tu peux aller jouer? Non, c'est pas l'heure de ça. Non, c'est pas l'heure de ça, s'il te plaît. Je suis désolée, j'ai ma coloc qui m'embête. S'il te plaît, s'il te plaît. Ce n'est pas l'heure. D'accord? Donnez-moi deux minutes. Je suis désolée, je reviens. Est-ce que c'est normal ce que tu fais là? Hein? T'as eu ton goûter, non? Oh! Ne vous approchez pas, les enfants. Heureusement, Papa Pig ne s'est pas fait mal en tombant et le cerf-volant n'est pas cassé. C'est bon? Maman, puisque nos vêtements sont tachés, est-ce qu'on peut sauter dans la flaque? Oui, mes enfants, bien entendu. Vous ne pouvez pas être plus sale comme vous l'êtes déjà. Et puis, de toute façon, c'est Papa qui va faire mal. Mais bien sûr. Bon, je suis désolée. Ah,
merde. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Viens. Oh, c'est pas possible ça. Bon, je suis désolée, vous allez voir comme ma tête. Parce que je fais autre chose en fait. Je suis obligée d'allaiter. Donc, on en était où? Désolée, tout le monde. Donc, question. Nous devons apprendre à cela, être des meilleurs parents, parler des sujets tabous. Vous savez, on ne peut pas dire que aucun parent n'est parfait. Hein. C'est ça. Oui. Aucun parent n'est parfait et on commettra toujours des erreurs. On va commettre des erreurs parce que c'est comme ça. Donc oui, je disais que aucun parent n'est parfait. On commet tous des erreurs. On commet tous des erreurs. Mais à travers ce que nous avons vécu de nos parents, à travers des manques... Non, mais toi en fait, non, 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 tu joues maintenant. Allez, ça suffit. Allez, ça suffit. Non, 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 ça suffit, ça suffit. Regarde. Tu vas laisser maman finir. Oui. Oui, oui. Voilà. Tu as vu? C'est bon, lui? Me revoilà. Excusez-moi, je suis désolée, mais voilà, comme je vous ai dit au début du direct, je ne suis pas seule, nous avons le confinement et je suis avec mes colocs, donc mes enfants. Donc, priorité bien sûr à mes enfants. Et vous-même, vous avez entendu, il y avait un des colocs qui avait besoin de moi. Donc, j'ai dû aller remplir mon rôle de parent, de mère. Donc, nous étions en train de parler du fait que... Dorian et Mi. Les questions. Je suis désolée, hein, mais j'étais obligée de trouver comment la calmer. Et en fait, elle voulait téter. Parce que j'allais encore. Donc, on en était où? Donc, Liana Marie a dit, l'autre point, selon moi, c'est le regard de la maman. Ma maman, elle t'a pas besoin de parler, qu'elle remarque tout de suite, quand quelque chose ne va pas, elle analyse ses enfants chaque jour. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Effectivement, nos mamans, elles avaient besoin de nous regarder pour savoir quand ça n'allait pas. Et c'est quelque chose que moi aussi, voilà, je m'efforce aussi de faire depuis. Selon le comportement, il faut qu'on apprenne à étudier nos enfants pour savoir, selon les comportements qu'ils ont, savoir quand ils sont bien, quand ils sont heureux, quand ils sont malheureux, quand ils sont tristes, quand ils sont contents, quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a un truc qu'ils ne veulent pas dire parce qu'ils ont peur. C'est ça le rôle, c'est notre rôle de maman aussi, de savoir tout ça. Parce que il y a des enfants qui ne parlent pas. Mais quand vous les regardez, quand vous observez leur comportement, vous savez. Vous savez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez quand quelque chose ne va pas. Vous savez quand l'enfant a fait une bêtise, quand l'enfant ne va pas bien, quand l'enfant a quelque chose qui tracasse. Et c'est important en tant que mère de pouvoir,
de pouvoir connaître les mimiques du visage de votre enfant. C'est vrai que quand il parle pas, c'est encore, on a encore du mal, mais avec, c'est pas de suite, hein, c'est pas de suite, hein, c'est avec le temps. Avec le temps, vous voyez selon le comportement de votre enfant, selon les événements qu'il y a, selon ce que l'enfant subit, selon quand vous êtes fâché, comment l'enfant se comporte. Quand l'enfant a fait une bêtise, comment il se comporte. C'est en étudiant tout ça que vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait. Sans que votre enfant ne parle, vous savez que là, il y a quelque chose qui tracasse votre enfant. Vous savez que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez que là, l'enfant a fait une connerie. Là, l'enfant a fait une bêtise. Là, l'enfant est en train de vous mentir. C'est important et ça fait partie du rôle d'une mère, de savoir tout ça. En tant que mère, comment dire, quand vous passez du temps avec votre enfant, vous pouvez que savoir ça. Mais quand vous passez pas du temps avec votre enfant, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir. Vous n'êtes jamais avec votre enfant. Comment vous voulez savoir les comportements de votre enfant? Vous pouvez pas connaître les comportements de votre enfant. Si c'est toujours quelqu'un d'autre qui garde votre enfant, vous pouvez pas savoir. C'est pourquoi, même si vous travaillez, les rares fois où vous ne travaillez pas, et que vous pouvez être chez vous avec vos enfants, restez avec vos enfants et essayez de faire... Partagez des moments avec eux et ça vous aidera à les étudier en fait. Ça vous aidera à connaître qui sont vos enfants à travers leur comportement. Parce que les enfants ne parlent pas forcément, mais à travers leur mimique. De la même façon, vous savez qu'il n'aime pas tel aliment parce qu'il fait une grimace. C'est de la même façon que vous devez aussi connaître son comportement face à la vie, face à ce qui se passe autour de lui. Quel conseil en tant que parent je peux donner? En tant que parent, en tant que mère, en tant que femme. Pour les enfants qui subissent déjà les maltraitances, les abus sexuels, le conseil que je peux donner aux parents, c'est si vous êtes au courant, votre rôle en tant que parent, c'est de défendre votre enfant. Peu importe la personne qui a fait ça à votre enfant, même si c'est le tonton qui a le gros ventre plein d'argent, même si c'est le tonton qui a le gros ventre avec la grosse voiture, qui a beaucoup d'argent dans les poches, que quand il vient, il vous glisse les billets de 10 000, tu défends ton enfant. Tu l'as porté 9 mois de grossesse. Tu as subi les douleurs pour sortir l'enfant. Donc ton rôle, c'est de défendre ton enfant face à qui que ce soit. Tu dois défendre ton enfant. Quand ton enfant va venir te dire, tel tonton m'a fait ça, avant de dire à ton enfant qu'il ment, écoute ce qu'il a à dire. Écoute ce qu'il a à dire. Parce qu'il y a des détails que l'enfant ne peut pas inventer. Il y a des détails que ton enfant n'inventera pas. Il faut écouter ce que l'enfant dit. C'est pourquoi il faut connaître quand votre enfant ment. Parce que ça vous permettra de savoir si votre enfant dit la vérité. Quand ton enfant vient te dire qu'il a été abusé, tu l'écoutes. Et tu réfléchis comment tu défends l'enfant. Il n'y a pas de tonton à l'argent, tonton est grand, quelqu'un, tonton est député, tonton est maire ou tonton travaille dans telle société, il a tel grade. Non! Il n'y a pas de ça. En tant qu'adolescente, si tu subis ça, va parler. Tu dois parler. Faut pas avoir cette crainte parce que la personne t'a fait comprendre tous les jours que oui, si tu parles, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Non! Va parler. Va t'exprimer. Prenez l'exemple de Wally. Wally, cette petite, je la félicite. Hein. Cette petite, je la félicite. C'est que si je pars au Gabon, quand je partirai au Gabon, si je peux voir cette petite et lui dire « Oui, tu es forte », j'irai la voir. Parce que cette petite a eu, elle a eu ce courage de parler, d'aller dire « Il m'a fait ça !» Peu importe le grade de M. Ndouna Alexis, cette petite n'a pas eu peur. Malgré ce que c'est l'autre là, comment elle s'appelle, Amanda Marla ou Amanda Marla, et puis toute la bande, toute la clique là. Elles l'ont fait peur, elles lui ont dit « Tais-toi, sinon tu verras. » Elle n'a pas eu peur. Elle est partie parler.
Cette petite a eu un courage que moi je n'ai pas vu. Mais je félicite le courage de cette petite. Et je félicite la famille de cette petite. Je félicite la famille de cette petite. Je félicite la maman de cette petite. Parce qu'elles ont pris cette petite au sérieux. Elles se sont pas dit, ah, les petites là, toujours en train de... Non, 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 non. Elles ont pris l'enfant au sérieux. Que l'enfant, vous savez, que votre enfant couche déjà ou ne couche pas. Si votre enfant vous dit que l'enfant, elle a été violée. Même si elle couche déjà, quand l'enfant vient te dire qu'elle a été violée, tu dois écouter ton enfant. Et vraiment, je félicite le courage de Wally. Et je félicite sa famille pour l'avoir écouté et l'avoir défendu. De ne pas avoir laissé les bras parce que c'était un grand quelqu'un. Non, 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 non. Ils sont allés au bout de ça. Pour les femmes qui ont subi ça et qui n'arrivent pas à parler et que ça crée un frein dans leur vie, mesdames, je vous propose d'aller vider votre sac. Les psys sont là pour ça. Les psychologues sont là pour ça. Parce qu'on sait que chez nous là-bas, au Congo, ça c'est quelque chose. Tu vas dire A là-bas. Le A ira raconter toute ton histoire à quelqu'un. Ça devient le Congo, ça. Allez-y parler à un psy. Allez-y parler à un psy. Allez-y vous vider. Ne laissez pas ça vous ronger la vie. Ne laissez pas. Avoir subi des abus sexuels, c'est pas la fin du monde. Ça ne fait pas de vous une femme sale. Ça ne fait pas de vous une femme faible. Utilisez cette force pour votre vie plus tard. Utilisez cette force pour devenir des femmes fortes et ne plus être des victimes. Et aussi, les papas, parce qu'il faut aussi, il y a des papas qui sont là aussi. Les papas, occupez-vous de vos enfants. Quand vous avez la possibilité de vous occuper de votre enfant, faites-le. Et défendez vos enfants. En tant que père, Yayula, tu veux juste que je te montre ici. Tu ne viendras pas. Utilisez votre rôle de père pour défendre aussi vos enfants. Parce que c'est pas seulement les mamans qui doivent défendre les enfants. Les papas aussi, vous devez défendre vos enfants. C'est votre rôle aussi. Quand vous avez la possibilité, faites-le. Moi, le conseil que je peux vous donner, hein, en tant que parent, c'est de pouvoir passer du temps avec vos enfants. C'est de les aimer. Donner de l'amour. Parce que c'est l'amour qui manque cruellement aux gens. Dans ce monde-là. C'est l'amour qui manque cruellement. Pourquoi tu fais ça? Ça là, c'est la jalousie. Je suis désolée, mais c'est la jalousie de ne pas venir se montrer là. Alors que tu n'as pas le droit. Donc, en tant que parent, il faut donner de l'amour à vos enfants. Passer du temps avec vos enfants. Discuter avec vos enfants. Apprenez à les connaître. Apprenez à les connaître pour pouvoir savoir quand ça ne va pas. Et... il faut apprendre à vos enfants à avoir confiance en eux pour qu'ils puissent avoir ce courage de s'exprimer. Oh, tu vas arrêter? Ça suffit. Miguel! S'il te plaît, tu peux la prendre le temps que je finis. Emmène-la avec toi. Voilà. Je ne suis pas là pour vous montrer mes enfants, donc voilà. C'est pourquoi je ne montre pas les visages. Donc, je disais... Ferme la porte, s'il te plaît. Bah oui. Donc, oui, une intuition propre à société. Donc, je disais qu'il faut donner de l'amour à vos enfants. Discuter beaucoup avec vos enfants. Faites en sorte que vos enfants se sentent en confiance avec vous. C'est exactement ça, Abby. À chaque fois que je veux faire un live, à chaque fois que je veux faire une vidéo, ma coloc chante. C'est la jalousie, ça. Ce sont les enfants. C'est la jalousie de voir que le parent est occupé à autre chose
pendant un certain temps, ça dérange. Donc ça t'est, ça veut. Donc voilà, je disais que effectivement, il faut passer du temps avec vos enfants, il faut aimer vos enfants, il faut pouvoir établir une relation de confiance avec ses enfants, il faut pouvoir faire comprendre à vos enfants que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent parler. Je vais m'arrêter, je vais reprendre la question d'Alex. Alex Sandy, la question, mais lorsque c'est ton propre parent qui agit sur toi, comment faire pour le dénoncer? À qui faut-il se retourner sans être explosé? Quand c'est comme ça, je pense que le mieux c'est de trouver une personne de confiance dans la famille en question. Une personne de confiance et ou sinon aller directement à la police. Ok. Ou aller directement à la police. Parce que la police aussi c'est leur rôle. Hein. Je pense qu'un enfant qui vient à la police dire que telle personne me fait telle chose, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas croire à l'enfant. Mais surtout, il faut chercher quelqu'un dans la famille, quelqu'un de confiance. Quelqu'un à qui vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui prend les choses au sérieux, c'est quelqu'un qui sera prêt à vous défendre. Que cette personne sera prête à vous croire, en fait. C'est pourquoi, le problème qu'il y a avec les enfants, c'est que les enfants passent maintenant tellement leur temps à mentir que quand ils disent quelque chose, on ne veut pas les croire. Mais le mensonge, ils ne le connaissent pas tout seuls, parce qu'on les apprend à mentir. Parce qu'en tant que parents, on est là à leur dire, ne dis pas à papa telle chose, ne dis pas à maman telle chose. Et c'est l'erreur que nous faisons souvent. Hein. On apprend nous-mêmes le mensonge à nos enfants. Et après, ils utilisent ce mensonge contre nous-mêmes, en fait. Et c'est ça, l'erreur que nous faisons, c'est il faut que nous apprenions nos enfants à dire la vérité. Leur apprendre qu'ils peuvent s'exprimer sans crainte. Oui, sûrement, la police au Gabon, c'est compliqué de faire confiance à l'autorité au Gabon. Mais je pense qu'il y a encore des policiers qui connaissent leur boulot. Il y a des policiers qui connaissent leur boulot, il faut juste savoir chez qui s'orienter en fait. Mais je pense qu'il y a des policiers qui font leur boulot. Parce que j'ai lu beaucoup de trucs sur internet, des gens qui ont été arrêtés. Il y a quand même des gens qui ont été jugés. Dernièrement, il y a un papa qui a eu 15 ans là, d'avoir violé ses deux filles pendant 2 ans. Je trouve que 15 ans, c'est pas assez pour avoir violé les deux filles, mais quand même, il y a quelque chose qui a été fait. On va pas dire non plus qu'ils ne font rien, hein. On va pas dire que la police ne fait rien au Gabon. Mais, voilà, il faut dire à la police. Il faut que les enfants disent. Il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance chez qui l'enfant peut se tourner. Donc, je suis désolée. Hein. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps non plus parce que ça fait quand même une bonne heure qu'on est là. Mais vous pouvez me rejoindre sur ma page Fondou. Bien sûr, sur Facebook, j'ai ma page Fondou. Ça s'est écrit sur Facebook. Foundou. Vous pouvez me rejoindre là-bas. Pour ceux qui ont des questions, qui veulent me poser des questions, vous pouvez me rejoindre là-bas. N'oubliez pas de liker la page aussi. N'oubliez pas de vous abonner. Parce que là, je vais être obligée de partir parce qu'elle est en train de hurler avec son grand frère là-bas. Donc, et puis, ça fait déjà plus d'une heure que je suis avec vous. Je serais bien restée plus longtemps. Mais voilà, si vous voulez, on pourra en discuter encore sur ma page Fondou, bien sûr. Si vous avez des questions, si vous avez des propositions de sujets à aborder aussi sur la page Fondou, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me parler. Moi, je suis très ouverte à la discussion. Vous pouvez venir me parler en privé. Vous pouvez venir m'écrire là-bas sans souci. J'ai la page Facebook, j'ai le compte Instagram. Vous pouvez venir m'écrire là-bas sans souci.
Donc, je vais pas pouvoir rester longtemps parce que ça fait quand même plus d'une heure. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de venir m'en parler si vous avez un témoignage. N'oubliez pas de, si vous avez quelque chose, un sujet que vous voulez aborder ou si vous voulez discuter du sujet en question qu'on a abordé là maintenant. N'oubliez pas, je suis ouverte à la discussion. Donc, je vous remercie à tous de m'avoir écouté, de m'avoir donné votre temps, de m'avoir supporté, bien sûr, aussi, hein. Voilà, maintenant je n'ai pas réponse à tout, hein, mais voilà, je pourrais répondre à toutes vos questions si c'est dans la mesure de si c'est au niveau de mon intelligence, bien sûr, hein. Donc si vous avez des questions, si vous avez vous voulez que je parle de quelque chose ou quoi que ce soit, vous pouvez me rejoindre sur ma page Fundu et on pourra continuer à discuter, on pourra échanger. Il n'y a pas de souci. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Restez chez vous. Respectez les règles d'hygiène qui ont été données par rapport au Covid-19. Prenez soin de vous et de vos proches. Et merci à tous encore. Au revoir. Merci.